Dafayin Zayin Amoudalef, à la 7e ligne. Amarava. Kafto, il a attaché Oumet Berav et le gars est finalement mort suite à une déshydratation totale. Il est mort de faim. Pas tout. Ça s'appelle pas un meurtrier. Pourquoi ? Parce que c'est pas lui qui l'a tué. Amarava, Kafato Bechama. Alors, la clé de la sugya, c'est est-ce qu'au moment où il a fait son maasé, il y a déjà un début de maasé ariga, même si ça se finit deux jours plus tard, ou bien au moment de son maasé, il n'y a rien. Quand il attache et qu'il meurt de faim, au moment où il a fait son maasé, de l'attacher, il n'a rien fait. Ça n'a pas commencé. Par contre, Amarava, Kafato Bechama ou Met, s'il a attaché au soleil et il est mort de chaud, alors là, Bémet, même au moment où il a attaché, il y avait déjà la chaleur. Il n'était pas mort au moment où il a attaché. Mais il y avait déjà l'élément qui allait le tuer. Alors que le Rav n'existait pas au moment où il a attaché. Betsina, s'il a attaché dans le froid, ou Met, Khayav. Pareil. Pourquoi ? Parce qu'au moment où il a attaché, il était déjà les pieds dans la neige. Sauf Ramalavo, sauf Tsinalavo, pas tour. Par contre, s'il a mis dans un endroit où il savait très bien qu'il allait avoir le soleil, imaginons, il le met dans le désert, mais en pleine nuit. Sauf Ramalavo. Sauf Tsinalavo. Alors là, il n'est pas tour. Parce qu'au moment où il a attaché, il n'y avait pas encore l'élément, ça n'avait pas encore commencé, la riga n'a pas encore commencé. Vamarava, Kafato Lifneari, il a attaché devant un lion. Dans un cas où même s'il n'était pas attaché, il n'aurait pas pu prendre la fuite. Pas tour. Pourquoi ? C'est pas parce que je l'ai attaché qu'il est mort. De toute façon, il serait mort par le lion. Donc, je suis pas tour. Par contre, Lifnei Itushin, si le gars, il a attaché devant des moustiques, on va peut-être parler d'abeilles. Alors là, le fait qu'il soit attaché, il ne peut pas se défendre. Donc c'est à cause de moi qu'il est mort. Khayab. Ravashi Amar a filé les Itushin, n'a mis pas tout. Ravashi dit, c'est quoi ? Même devant les Itushin, même devant des insectes, des moustiques ou des abeilles, il n'est pas tout. Pourquoi ? Ané Azle, Vané Atou. Les Itushin qui étaient là. Alors on parle évidemment qu'il y avait déjà des Itushin au moment où il est attaché, parce qu'encore une fois, le pshat, il faut qu'au moment où il a fait son massé, il y a déjà un début d'Ariga. Alors c'est vrai que se faire piquer par des moustiques, ça n'a jamais tué personne. Mais au bout d'un moment, ça tue. Oui, aujourd'hui, il y a des moustiques qui tuent. Mais ce n'est pas la multiplication des piqûres qui le tue. Mais au moment où il attachait, il y avait déjà des moustiques. Mais Ravashi vient et nous dit, oui, mais les moustiques qui étaient là au moment où il attachait, ce n'est pas ceux qui étaient là au moment où il est mort. Et donc, Ané Azlé et Véané Atou, il y a un échange. Ça permute, permutation des moustiques. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas tour et pas comme pensait Rava. Itmar, Kafa Lavgigit, il a enfermé dans un tonneau, il a mis une gigit, un tonneau sur la tête, et il est mort du manque d'oxygène, mort de chaud. Je ne sais pas exactement comment expliquer le Evel dont parle Rashi, ou Met Be Evla, il est mort de Evel. On peut expliquer que c'est la chaleur. On peut expliquer c'est le manque d'oxygène, puisque finalement, un peu comme quelqu'un qui est dans un endroit qui est hermétique, au bout d'un moment, étant donné qu'il va utiliser tout l'oxygène et il va rejeter que du dioxyde de carbone, à un moment, il va s'étouffer. Peut-être ça le pshat. Paralav Maaziva, il a décapoté le toit, donc il a enlevé complètement le toit à la maison, et donc il était sujet au froid. Rava Verabizera, alors, il y a Machloket. Khadamar Khayav et Khadamar Pato. Un, il dit le Khayav, l'autre, il dit le Pato. On ne sait pas qui a dit quoi. La Gemara dit Tistayem, tu peux déduire des Rava ou des Amar Pato. Que c'est Rava qui pense qu'il est Pato. Pourquoi ? Parce que Rava, il nous a dit tout à l'heure des Amar Rava, Kafato, Omet, Beraav, Pato. Tout à l'heure, il nous a dit que si quelqu'un il attache et il meurt de faim, il est Pato. Ben, c'est pareil ici. Il a mis une guiguide sur la tête, il a enfermé dans un endroit qui était hermétiquement fermé. Et il est mort de chaud, il est mort du manque d'oxygène. Bah, finalement, au moment où il est enfermé, il n'y avait pas encore l'élément qui l'a tué. Il ne manquait pas d'oxygène à ce moment-là. Un peu comme la faim. Il n'avait pas faim quand il a attaché. Alors on va dire Adraba, c'est pas à four. Tistayem de Rabizera ou d'Amar Patour. Bemet, c'est à four. C'est Rabizera qui a dit Patour. Et Rava, Bemet, il a dit Khayav. Et alors, il va falloir trouver un chilouk entre le Rahav et le froid de la Maziva ou la chaleur de la Guigit. Damar Rabizera, qu'est-ce qui prouve que Bémed Rabizera il pense qu'il est pas tour? Damar Rabizera, Aïman de Aïlé les Chavré Bébéta des Chaïcha. Quelqu'un qui fait rentrer son ami dans une maison de Chaïch, une maison en marbre. Quelle est la particularité d'une maison de marbre? C'est les blocs
dans la Gemara, c'est les blocs opératoires de l'époque. C'est-à-dire que c'est un endroit qui est fermé hermétiquement. Et donc, comme c'est un endroit fermé hermétiquement, il a rentré là-bas, mais pour enlever l'oxygène plus rapidement que par sa propre respiration, il a allumé une bougie. On peut encore une fois lire les deux dans Rashi. Soit le fait qu'il y ait une bougie, c'est ça qui va amener de la chaleur, soit le fait qu'il y ait une bougie, comme tout le monde le sait, le feu consomme l'oxygène. Donc ça va accélérer le processus. Ou Met, il est mort, effectivement, soit de manque d'oxygène, soit de chaleur. Chayav. Donc la Gemara, les médailles quêtes. Tamad l'adlik l'eshraga. Pourquoi il est chayav d'après Rabbi Zera quand il a allumé la bougie? Parce qu'il a allumé une bougie. Mashma, s'il n'avait pas allumé la bougie, il a mis dans une pièce hermétiquement fermée, un bloc opératoire fermé, chaïch, et l'autre il respire, et à la fin il meurt. Mashma, qu'il n'est pas tout, parce qu'il n'a pas allumé la bougie. Ah, l'eau adlik l'eshraga, l'eau. Donc on voit que Behemet, qui est-ce qui pense que s'il meurt du fait qu'il est dans un endroit qui n'est pas viable, mais c'est à cause de lui que ça devient pas viable, parce qu'il a utilisé toutes les ressources naturelles, tout l'oxygène, ou c'est parce que justement il a dégagé trop de chaleur pour pouvoir survivre. J'imagine que ça peut pas être sa chaleur à lui. On peut pas mourir de sa propre chaleur. J'arrive pas à le concevoir. Quelqu'un qui est dans un endroit, si Behemet cet endroit est oxygéné normalement, ben tu vas pas mourir. Je veux dire, ton corps ne va pas sortir autant de chaleur que ça. Je sais pas. Ça m'étonne. On va pas mourir de chaud. Non? Loeda. C'est Loneda. En tout cas, ce qu'on voit ici, que c'est Davka parce qu'il a allumé la bougie, il a fait un autre maasé pour accélérer le processus qu'il est chayav. Mashma que sans ça, il aurait été patour. Donc c'est Rabbi Zera qui pense patour et Rava il pense chayav. Et c'est quoi le chilouk avec le Rav? Encore une fois, parce que quand il a attaché et que le gars est mort de faim, bah, il n'avait pas faim quand il était attaché. Il venait de manger. Après, 3 jours plus tard, il est mort de faim. Ouais. Mais au moment où il a fait son maasé, il n'y avait pas encore la faim. Il n'y a pas encore l'élément qui a tué. Alors que quand il a enlevé le toit, il y a déjà du froid qui est rentré. Quand il a mis dans une guiguite, il y a déjà de la chaleur. Il y a déjà un manque d'oxygène immédiat. Et c'est ça qui va, après être amplifié, qui va le tuer. Amré Atam, ils ont dit là-bas, Belo Shraga Lomatriv Evla, Besha Ate. Sans, et c'est ça le tirout, sans la bougie, Belo Shraga Lomatril Evla Beshaate. C'est-à-dire qu'au moment où il va, sans la bougie, le Evel, la chaleur ou le manque d'oxygène ne commence pas au moment de son maasé. Il manque pas d'oxygène au moment de son maasé. Donc il n'y a rien pour le rendre hayav. Acha Belo Shraga Nami Matril Evla Beshaate. Par contre, ici, la Gemara, donc elle est Docha, elle dit non. Mais maître, on pourra toujours penser que. On peut. Que même Rabbi Zera, il dit Patour. Il dira Chayav dans la guiguite, pourquoi? Parce qu'au moment où il a mis la guiguite, au moment où il a enlevé le plafond, Belo Shraga Nami Matril Evla Beshaate. Il y a donc une différence entre une pièce hermétiquement fermée, ce qu'on appelle le Chaïch, et quand il a mis dans une guiguite. Quand il a mis dans une guiguite, immédiatement, il y a déjà un début du processus qui commence. Et donc, même Rabbi Zera, peut-être qu'il sera d'accord que sans allumer la bougie, il sera Chayav, alors que dans une maison fermée, au moment où il a mis là-bas, ça n'a pas encore commencé, donc il n'est pas tôt. Donc, apparemment, c'est le guédé, il est dans la promiscuité. C'est-à-dire que dès qu'il le met dans une petite boîte, immédiatement, déjà, il manque d'oxygène. Il n'y a pas besoin d'attendre pour qu'il manque d'oxygène. Immédiatement, dès qu'il enlève le toit et qu'il neige dehors, immédiatement, il commence à avoir froid. Pas besoin d'attendre. Donc, s'il n'y a pas d'attente, même s'il n'est pas mort immédiatement, il sera quand même chayav. Parce que l'élément était déjà là. Amarava, d'Achafo les bords. Quelqu'un, il a poussé dans un trou. Vesoula Bebor, il y avait une échelle. Donc normalement, il n'est pas tour. Pourquoi? Tu n'avais qu'à monter à l'échelle. Ouba Acher Vesilko, voilà qu'il y a un autre, il vient, il enlève l'échelle. Dans ce cas de figure, qui est Chayav? Celui qui l'a poussé ou celui qui a enlevé l'échelle? Il savait qu'il y avait quelqu'un dedans. Pardon? On parle qu'il savait qu'il y avait quelqu'un dedans, c'est ça? Celui qui a enlevé l'échelle. Oui, bien sûr, même s'il savait. Pourquoi qu'il n'est pas tour? Tout le monde n'est pas tour. Celui qui l'a poussé, il n'est pas tour parce qu'il y avait une échelle. Celui qui a enlevé l'échelle, il n'est pas tour parce qu'il ne l'a pas poussé. Je n'ai fait qu'enlever une échelle. C'est Gramma. Hein? Il n'est pas tour. Il n'est pas mort en tombant. Il n'est pas mort en tombant. Il est mort parce qu'il ne peut plus sortir. Mais à Filou, Kadam et Silko, même si le gars qui l'a poussé, il a enlevé l'échelle avant que l'autre touche le sol, Kadam et Silko. C'est quoi Kadam? Évidemment, s'il a enlevé l'échelle avant de le pousser, évidemment qu'il est khayab. Tu l'as mis dans une situation où il ne pourra jamais sortir. Mais s'il a poussé, il est vachement rapide le gars. Il le pousse, il enlève l'échelle et l'autre boum, il tombe par terre. Donc au moment où il a poussé, il y avait une échelle.
Mais seconde, il n'était pas encore arrivé au fond pour pouvoir l'utiliser. Comme Chané. Il avait déjà fini son maasé. S'il a déjà fini son maasé, et quand moi j'ai fait mon maasé, il y avait une échelle, je suis pas tout. C'est un chidouche. Pas tout, bide Adam, mais chayab bide Chamein, d'après Rachid. Des beïdna, des chadia, parce qu'au moment où il a envoyé, il y a chola alot, il pouvait remonter. Alors même si c'est caché à comprendre, comment il pouvait remonter? Il est en pleine chute. Oui, mais tachlès, moi, au moment où j'ai fait mon maasé, qui est censé me rendre chayab, il pouvait remonter, il y avait une échelle. Après, j'ai enlevé, donc c'est déjà, j'ai pas de maasé sur lequel on peut me rendre chayab. Sur le fait de pousser, il y avait une échelle, sur le fait d'enlever l'échelle, c'est grave. On avait parlé avant qu'il fermait la porte du four. Avant qu'il poussait dans le four, il fermait le four. Il avait dit que j'ai fermé, il était chayab. Je sais pas d'où tu as sorti cette histoire de fermer la porte du four. Tu t'es cru dans les camps de concentration? Dans la pièce, il y avait le feu, je sais pas quoi. Je me rappelle pas d'un cas pareil. Qui a fermé la porte du four? C'était deux, justement. Un qui poussait dedans et l'autre qui fermait. Et l'autre, il pouvait sortir? Maintenant, il ne pouvait plus sortir parce qu'il avait fermé la porte. Je sais pas, je me rappelle pas de ce que tu parles. Amarava, Zarak Bochet Vetris Viado. Il envoie une flèche et le gars sur lequel il a envoyé la flèche, il avait un tris, il avait un bouclier. Uba Acher Venatlo, il a enlevé le tris. Filou Kadam Venatlo, même lui. Je sais pas comment il se débrouille, mais après avoir tiré la flèche, il enlève le bouclier, pas tour, des beïdna, des chadiabé, mifsak, piske, guéré, parce qu'au moment où il l'a envoyé, là, il avait évidemment, la flèche devait s'arrêter sur le bouclier, donc encore une fois, c'est la même chose, au moment où il a fait son maasé, il n'y avait pas de quoi être mechaïb auto. Ramaraba, zarak bochet, vesamanim beyado. Il a envoyé une flèche, et l'autre avait, on va dire que c'était une flèche empoisonnée, une fléchette, qui était pleine de poison. Et l'autre, il avait l'antidote dans sa main. Donc, même s'il se fait toucher par les fléchettes, c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'immédiatement, il prend l'antidote. Ça vient de... Ou barer le pizran. Mais voilà qu'il y a quelqu'un d'autre, il prend l'antidote et le jette par terre. Il n'y a plus. Bah, filou ou kadam le pizran, même si lui-même, il a pris l'antidote et l'a jeté par terre, il était méphaser, il les a éparpillés. Patour, il est patour des beïdna, des chadabé, yachol et trapote. Parce qu'au moment où il a jeté la fléchette, la flèche, l'autre pouvait évidemment pour, guérir. Yachol et trapote. Amar Ravashi, Ravashi dit le car, Rafilou Saminim Bachouk. Alors c'est quoi? À chaque fois qu'il va y avoir un empoisonnement, s'il y a un antidote au chouk, bah tu avais qu'à aller l'acheter. Moi je suis pas tout. Tu l'as pas acheté, tant pis pour toi. Amar le Ravacha, Bre de Raval et Ravashi, Nizdam Nulo Saminim Maou. Si Behemet, finalement on t'a amené l'antidote. Et le gars il a dit non, je veux pas envie de prendre l'antidote. Il est mort. Alors, il est chayav ou il est pas tout? Finalement, quand il a envoyé la flèche, il était chayav, parce qu'il avait pas encore les Saminim. Bah, sauf on lui a amené les samimanim. Et il a décidé de ne pas les prendre. Est-ce qu'il est chayav ou il est pas tour? Amarle, Ari Yatsam Mibet Din Zakai. Évidemment qu'il est pas tour. Pourquoi? Parce qu'au final, il avait la possibilité de guérir. Yatsam Mibet Din Zakai. D'après Rashi, combien il a dit le Klomar? Ou il veut Kodem Amdo Bedim Matsaul Osrut et Nanou Echaïvo. Ari, avant qu'il aille au Bedin, il était Zakai. Pourquoi? Parce qu'il y avait des samimanim pour le guérir. Donc, on a trouvé un Srout pour le. Pour le, comment dire, l'innocenté, et donc il sera pas tôt. Viamarava, Zarak Tsror Bekotel. On va faire la physique un petit peu. Amarava, Zarak Tsror Bekotel, il a envoyé une flèche sur le mur qui a rebondi, Vechazra la Choria Veharga, elle a tué quelqu'un par rebond. Chayab. Vetana Tuna, et notre Tana nous dit, Kegon Elu Amesa Hakin Bekadur. Chiaragou, Bemezid, Neragin, Beshogeg, Golin. Les enfants, ou même des adultes, hein, aujourd'hui même les adultes jouent au ballon. Les gens qui jouent face à un mur, Mesachakin, Bekadur, Chiaragou, Bemezid, Neragin, Beshogeg, Golin. Donc Bemezid, s'il avait l'intention de tuer les Khayamita, et Beshogeg, il sera donc Khayav Galout. Beshogeg, Golin, Pshita, évidemment. Il a fait un assez Ariga. Bemezid et Ragin sont chayav. La Gemara dit non, le chidouch il est que même Bemezid il est chayav. Pourquoi? Maoutema atra tsafek. J'aurais pu croire que Bemet, quand on lui a fait la atra, pour être chayamita, il faut des dîmes, il faut une atra. C'est quoi une atra? Attention, si tu fais ça, tu vas le tuer. Et lui il dit, je sais, je m'en fous, je le fais quand même, je suis prêt à mourir pour ça. Mais de toute façon, c'est atra tsafek, pourquoi? Parce que tu peux pas savoir que la balle elle va rebondir et qu'elle va vraiment le tuer. Mi emar de adra, qui nous dit qu'elle va rebondir exactement là où tu veux, de façon à tuer celui qui est en face, Kamash Malad, que Behemet, c'est pas Atra Tsafek. On peut dire que. Merci. Une Atra,
même si on n'est pas sûr du résultat, on est sûr de sa kavana. Et lui, il était vraiment intentionné. Baruch ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Shehakol Nehiyah Bidvaro. Tane Rav Tachlifa Bar Marava. Kame de Rabbi Avahu, devant Rabbi Avahu. Kegon Eloi Mesachkem Bekadur Sharago Toch Arba Amot Pato. Alors là, on est dans le cas de figure où les gars ils jouent devant un mur. S'il a tué dans les Arba Amot du mur, il est Pato. On parle de quoi? On parle de Shogeg. Il a tué Beshogeg. S'il a tué dans les Arba Amot du mur, il est Pato de Galout. Chout l'Arba Amot, Chayav. S'il a tué en dehors des Arba Amot, plus loin, là il est Chayav Galout. Agmara ne comprend pas. Et il faut savoir que pour être Chayav Galout, il faut que soit mitkayem tamarchava. C'est-à-dire que tu avais envie d'envoyer le ballon là où il est arrivé, il a tué, un ballon ou une pierre, hein, l'obchané. Donc tu as été, ça s'appelle que itkayema marchavato. Ce que tu voulais faire, c'est réaliser. Là, tichayav galout, si tu n'avais pas l'intention de tuer, mais tu avais quand même l'intention de faire ce qui s'est passé. Donc la Gemara demande. Amarle ravina le ravashi, ichidame, de quel cas on parle dans les arbaamot ou en dehors des arbaamot? S'il avait l'intention d'envoyer le ballon là où il est arrivé, il a tué. Ça me change dans l'arba amot ou pas. Un filou pour ta ami. Même proche du mur, dans l'arba amot, il devrait être hayav. Et s'il n'avait aucune intention que le ballon arrive là-bas, alors même en dehors d'arba amot, il devrait être pas tour. Un filou tout va namilo. Amarle estama mesachakin bekadur. La Gemara dit pourquoi? Parce que bestama, les gens qui jouent au foot, au kadur, kama daïletfe minar nichale. Au plus le ballon il va loin, et au plus ils sont contents. Donc ils n'ont jamais l'intention à ce que ça soit dans les arba amot du mur. Toujours ils sont, Rachid dit, ils se rapprochent le maximum du mur pour que ça aille le plus loin au rebond. Donc ça n'arrive jamais dans les premiers arba amot, c'est toujours en dehors des arba amot. C'est pour ça qu'il sera khayav que quand c'est en dehors des arba amot, que là, itkaïma marchavato. Mais si le ballon est arrivé dans les premiers arba amot, alors là, le itkaïma marchavato, et il sera pato. Les memra, la Gemara dit, des kaïgamna koho, machma que behemet, quand c'est koho, il est khayav. Je sais pas que Koro, Kegoufo, Kachakatou. Alors, un gars, il a envoyé sur le mur, ça rebondit, les Khayab. Donc, c'est comme si tu l'avais envoyé directement. Koro, Kegoufo. La Gemara, elle vient, hein, et elle amène deux preuves, apparemment, qui contredisent cette règle. Urminei, Amekadesh, Venafal, Kidouche, Aliado. C'est quoi Amekadesh? On fait pour que, confectionner le Mechatat, la potion avec laquelle on va rendre Tahor. Quelqu'un qui est Tmémet, alors il faut de 1 une paradouma qu'on brûle avec plein de halachot en dehors du Betamigdash, etc. Il faut être à un endroit bien précis, voir le Betamigdash. Donc on récupère les cendres d'un paradouma qu'on va ensuite reverser dans une vasque qui a été. C'est presque pas un keli, c'est-à-dire c'est Mechoubar la Karka qui a été. Approvisionné en eau d'une source directement. Et donc tout ça un peu comme un mikvé, de façon il faut arriver à faire entrer l'eau de la source sans la puiser. OK? Donc il va mettre la cendre dans cette eau et ça s'appelle et c'est ça ce qu'on appelle être mekadesh, le kidouche. Non, lui en mettant la cendre, à mekadesh venafal kidouche aliado. Il y a de la cendre qui est tombée sur sa main qui a rebondi et de sa main elle est tombée dans l'eau. Donc finalement, c'est Koro. Aaron, c'est pas directement, mais ça rebondit sur sa main. Oh, à la tzad. Ou alors ça a rebondi sur le côté du cli, de la ce qu'on appelle la choquette, le cli. Et Acharkar n'a fait la choquette, et ensuite c'est tombé dedans. Pas soud. Pourquoi c'est pas soud? Tu vas me dire que Koro qui est gouffo. Quelle différence si tu as versé directement, Koach Rishon, ou si ça rebondit sur le côté, sur la paroi, sur ta main, Koach Sheni? Koro Kegoufo, ça devrait être la même chose. Alors pourquoi là c'est pas soul? Koucha, tu viens de me dire que Koro c'est Mechaimita. Alors ça marche, c'est Mechaimita, mais ça marche pas pour Paradouma, pour Mechatat. Arabe Maskinan Bechotet. Non, ici on dit que ça n'a pas rebondi, ça a glissé. C'est-à-dire que c'est tombé sur sa main, et de sa main ça a glissé dans le cli, ou sur le rebord, et ça a glissé sur le bord. Donc c'est pas quelque chose, c'est pas un rebond, de façon à pouvoir identifier le mouvement comme si c'était son koar. Mais ça a glissé doucement sur le rebord. Et donc là, Bémet, ça ne s'appelle plus que c'est toi qui l'as versé, mais ça vient du rebord, ça vient de ta main, sans finalement avoir été actionné par ta main. Donc c'est pour ça que c'est pas sûr.
Deuxième preuve, toujours on reste dans le même registre. Machat, Shaya, Netuna, Lacheretz. Voilà qu'il y avait une aiguille qui avait été en contact avec un mort. Donc elle est Tmemet. Il va falloir la rendre Théora en lui mettant de l'eau de Mechatat. Et on l'a mis sur un morceau d'argile. Netuna, Lacheretz. Maintenant, quand on a balancé l'eau, on l'a aspergé. On ne sait pas si l'eau elle est tombée directement sur l'aiguille ou elle est tombée d'abord sur le Lacheretz et ensuite sur l'aiguille. En tout cas, ce qu'on trouve, c'est une aiguille mouillée. Donc, Machat, Shaya, Netuna, Lacheretz, Visa, Aléa. Il a aspergé avec de l'eau. Ça fait qu'à la Machat, Isa, ça fait qu'à la Lacheretz, Isa. On ne sait pas s'il a versé l'eau sur le Lacheretz ou il a versé l'eau sur le Machat. Ou Mitsa, Aléa, Aza, Ato. Et finalement, on retrouve de l'eau sur, l'aiguille. Pas soul. Pourquoi? Parce qu'apparemment, à la Tzad, que ça a rebondi sur le Lacheretz, c'est pas soul. Donc, Koro, lave Kegoufo. Non, ici le problème il est qu'on a un troisième safek. Rachid nous explique qu'il y a trois tzadadim, il n'y en a pas que deux. Nous on pensait, c'est quoi les deux tzadadim? Soit c'est tombé directement sur l'aiguille, soit c'est tombé, ça a ricoché sur le kheres. Rachid dit, à la tzad que ça soit tombé directement ou que ça a ricoché, c'est kacher, parce que koro kegoufo. Mais un troisième tzad, c'est quoi? C'est que c'est tombé directement sur le kheres et que ça a glissé du kheres sur l'aiguille. Donc finalement là c'est plus koro. C'est parce que imaginons le Kheres, il est un peu incurvé, et donc du fait qu'il y a le. Comment ça s'appelle Newton, ouais, la pesanteur, la force de la pesanteur, c'est ça qui a fait que ça arrive jusqu'en bas. Et donc c'est pour ça que, à la tzad, que c'est pas Mikoro directement ou indirectement, mais parce qu'il y avait cette force de la pesanteur qui a attiré l'eau vers le bas, alors là, Bémet, c'est pas sûr, parce que c'est pas lui qui l'a versé. Pourquoi c'est pas la parachute? Tu as trouvé de l'eau sur l'aiguille, tu sais pas comment elle est arrivée. Ça peut très bien être arrivé parce que ça a coulé. Mitsa, mais la chaîne Mitsui, ça a coulé. Ça, ça fait. Ouais, mais ça fait que Dora est à la Khumra. Tu peux pas te permettre de dire que cette aiguille, elle était Ora. Elle est Bechreskat Nea. Et mais ça fait que tu peux pas être Motsi Bechreskata. Amarav Papa. Aïman de Kafte de Khavre. Veashkil Ale Bitka de Maya. Voilà qu'un gars, il a attaché un homme devant, on va dire, un barrage. Il est attaché et il ouvre le barrage et l'autre il meurt noyé par l'eau. Giré d'idé, ou c'est ses flèches, ou Mechayev, et donc il sera Khayamita. Ça s'appelle pas que c'est Gramma, je ne fais que ouvrir le barrage. Non, tu l'as attaché, et même si quand tu l'as attaché, il n'y avait pas encore la possibilité de le tuer, il n'y avait pas encore d'eau. Néanmoins, c'est toi qui as actionné l'eau et c'est tombé directement sur lui. Quoi ? Même s'il n'a pas attaché. S'il n'avait pas la possibilité de s'enfuir. Je suis d'accord. C'est, en disant attaché, ça sous-entend qu'il n'avait pas la possibilité de s'enfuir. Si un gars il avait la possibilité de s'enfuir, alors il n'est pas tout. Anem, il est Bekoa Rishon. Tout ça, c'est quand l'eau est tombée directement sur lui. Koa Rishon. Aval Bekoa Rcheni, Grama Bealmaou. Mais Koa Rcheni, c'est-à-dire qu'imaginons l'eau est d'abord tombée par terre. Sauf qu'il a ouvert le robinet et l'eau tombe par terre et le niveau de l'eau monte. Et là, il meurt. Koarcheni, pas tour. Kidouche. Parce que là, c'est le Grama Bealma. Finalement, moi, je n'ai fait courir le robinet. Et au moment où il a ouvert le robinet, l'eau qui était en train de couler ne pouvait pas le tuer. Ce n'est qu'en montant par un Koarcheni que ça a réussi à le noyer. Kidouche, Hatsum. Bamara Papa. Alors, on est en plein dans les vecteurs de force, vous allez voir. Zarak tsror le mala, un gars il a lancé une pierre vers le haut. Ve'alcha le tzdadin. Évidemment, c'est difficile de lancer directement pile à horizontale, à verticale. Donc c'est toujours un petit peu incurvé. Donc la pierre elle fait une parabole. Donc ve'alcha le tzdadin, la pierre elle se déplace, elle va sur le côté. Ve'arga, et il a tué Khayab. Pourquoi? Alors, quand la pierre. Non, on parle en descente. Ve'alcha le tzadin ve'arga, en redescendant. Khayab. Si elle est en montée, évidemment qu'il est Khayab. Là, le Khidouch, il est en redescendant, il est Khayab. Et là, l'Agmara demande comment il est Khayab. Alors, c'est pas sa force. C'est la force d'apesanteur. C'est l'attraction terrestre. Amarle, Marba, Ravashi, le Rapapa. Maïtama. Pourquoi il est Khayab? Meshum de Koho. Parce que c'est son Kohar qui l'a fait, qui l'a tué. C'est lui qui a lancé la pierre. Ikoro, et là c'est incroyable la question que va poser la Mora. Ikoro, Tizileil, si Bémet il avait donné un koar à la pierre,
Alors elle devrait monter et ne jamais s'arrêter, comme dans l'espace. Elle devrait continuer. Pourquoi elle s'arrête? Pourquoi elle redescend? Al Kohar, c'est pas son Kohar. Donc si c'est pas son Kohar qui a tué, il devrait être Patour. À la rigueur, tu viens, on vient de prouver que Koro Kegoufo. Mais il faut que ça soit son Kohar. Si c'est l'attraction terrestre, c'est pas son Kohar. Donc pourquoi il est Khayab? Ikoro Tizilel. Si c'était son Kohar, ça devrait monter sans s'arrêter. Elle lui dit quoi? Alors qu'est-ce que tu sous-entends? C'est pas son Kohar. Alors comment ça se fait qu'elle va sur le côté? Il a Kohou, Tizile Tarat. Si c'est pas son Kohar, elle aurait dû redescendre immédiatement. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle arrive à son apogée, hop, elle tombe direct. Pourquoi elle va continuer la trajectoire vers la droite? Enfin, elle va continuer la trajectoire de la parabole. Ça prouve bien qu'il y a encore un petit peu de son Kohar à l'intérieur. Comme on a appris en physique, il y a le vecteur qui va vers le bas et un vecteur qui va vers la droite. Ce qui fait que la pierre elle va avoir une trajectoire horizontale. En diagonale. Vilav de Kohou, Tizile Tachat. S'il n'y avait pas encore son Kohar qui était à l'intérieur de la pierre, qu'il avait imprégné en jetant la pierre, elle aurait dû tomber à la verticale, mamash. Et là, Kohar Kachouchou. C'est son Kohar, c'est juste qu'il est Kachouchou. Il est moins fort. Parce que vraiment, son Kohar, c'est vrai que lui, c'était vers le haut. Et comme c'était aussi incurvé, c'était vers le haut et vers la droite. Et ce Kohar-là, il est de plus en plus faible, mais il est encore présent. Et c'est ce Kohar-là qui le rend Khayab.